Quelques mots avant que ce vlog ne démarre, je tenais à vous informer que cette vidéo est réalisée en association avec l'association Jadis Animation Historique ainsi que l'association qui s'occupe de la reconstitution de ce week-end. Un autre fait important, les armes que vous verrez au cours de ce vlog sont toutes démilitarisées et ont une autorisation légale pour la plupart, tandis que les autres ce sont des répliques d'armes et elles possèdent également une autorisation légale. Une dernière information, le lieu quant auquel je me trouve, il n'y aura pas d'informations précises où il se trouve pour des questions de vie privée. Cependant, je vous indiquerai les lieux où nous nous sommes arrêtés lors de notre promenade afin que vous puissiez éventuellement plus tard vous y arrêter également et prendre quelques instants pour prendre connaissance des hauts faits de la résistance qui se sont passés dans ces lieux-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Historia de Limousin, à suivre également notre page Instagram et page Facebook. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime à la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous faire part de vos connaissances sur le maquis du Limousin ou des hauts faits de la résistance ou d'autres informations concernant Georges Guingouin et également à améliorer le contenu de nos vidéos en nous en part de ce que vous avez aimé dans ces projets vidéo. Et bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo qui plus est un vlog sur les pas de Georges Guingouin. Donc on est entouré de passionnés qui ont pour projet et pour but lors de ce petit week-end de faire un devoir de mémoire, de perpétuer une mémoire datant de la Seconde Guerre mondiale. Donc là actuellement nous sommes partis dans une petite promenade dans ce qu'on a appelé le maquis du Limousin où on va s'arrêter à certains endroits où il y a eu des événements qui se sont passés, comme un sabotage, comme des attaques, des embuscades, ce genre de choses. Donc voilà, donc je vous laisse profiter de cette petite vidéo. Vous allez voir, à un moment donné, on s'arrêtera à certains moments pour des petites interventions. Donc je vous laisse profiter déjà du petit trajet qu'on est en train de faire. Alors actuellement, le véhicule dans lequel nous sommes, c'est ce qu'on appelle un Dodge. Alors, c'est la marque Dodge, mais on appelle ça un Dodge. Je vous donnerai plus ample d'informations par le biais des membres de l'association de Jadis Animation qui vient en dire en plus sur les véhicules, le matériel, les tenues d'époque. Quoi qu'il en soit, je vous laisse profiter de ce qui va se présenter devant vous sous peu, le petit trajet qu'on est en train de faire pour rejoindre le premier lieu qu'on va aller voir. Et donc là nous sommes sur les véritablement les derniers pas. Nous étions donc sur les premiers pas en terre limousine l'année dernière, nous sommes donc sur les derniers pas de Violette Szabo puisqu'elle est donc elle a donc été arrêtée quelque part ici. Arrêtée après de nombreux échanges de coups de feu et elle a donc n'a pas pu se tirer des griffes des SS. Petite anecdote, lors de mon repérage il y a très peu de temps de ça, j'ai eu la chance de rencontrer monsieur le maire
qui est maire depuis 45 ans et qui a très très bien connu une dame qui est venue un jour lui raconter spontanément qu'elle était la co-détenue de Violette Szabo. Donc Violette Szabo a donc été bien évidemment arrêtée, incarcérée, torturée, violée, ainsi de suite. Et donc cette dame qui était donc détenue avec 8 autres femmes dans une cellule, 7 d'entre elles ont été extraites. On a laissé que cette personne toute seule. On a mis donc, après avoir été torturée, violée, tabassée, je ne sais quoi combien de fois, plusieurs fois, Violette Szabo a donc été mise à l'isolement avec cette même femme, pensant les Allemands qu'elle allait pouvoir se confier et éventuellement, si Violette Szabo ne parlait pas directement aux Allemands, elle pouvait peut-être se confier à l'autre, qui l'autre aurait été aussi torturée. Et donc il se trouve que elle n'a absolument rien dit, elle est restée isolée dans son coin, pardon, sans même dire quoi que ce soit. Et donc après, malheureusement, elle a été amenée par un convoi direction le nord, enfin Drancy, et puis Ravensbrück, où elle est décédée. Elle a été assassinée, tout simplement d'une balle dans la tête, juste avant la libération, comme il se faisait énormément, toutes les personnes qui avaient. Ce caractère, ce charisme et cet esprit de résistance, systématiquement les Allemands, avant de libérer le camp. Janvier ou février 1945. Oui, février, oui. Ouais, tout à fait. Voilà ce qu'on peut dire sur Violette Szabo. Tout à fait. Le parallèle est là aussi, effectivement, puisque nous sommes sur des terres, donc nous sommes en Corrèze, à Salon-la-Tour. On ira voir tout à l'heure, le bourg est assez intéressant avec cette tour médiévale. Comment s'appelle-t-il Thomas qui est celui-là. Thomas qui est ici, donc qui est corrézien de souche aussi. Périgourdin de cœur vigeois. Et il se trouve que donc Jacques Dufour, que nous irons voir tout à l'heure parce qu'on ira sur sa tombe aussi, qui est un local et qui a œuvré parallèlement avec le maquis de Magnacourt, et plus particulièrement Gomandi, Renaudy, Lazérin, et tous Lornac, bien évidemment, les frères Lornac. Et c'est lui qui a pratiquement armé, si je puis dire, directement le maquis le marquis de Guingois. Le premier parachutage sur lequel nous irons aussi en fin d'après-midi, à Magnacourt, qui est une cité très très riche, parce que entre les différents, il y a à peu près une de 5-6 maisons où Guingois a séjourné, où des agents du SOE y ont dormi. La fenêtre était sensiblement, la mère Renaudy, la fenêtre était constamment ouverte de façon à ce que l'autre. L'épicerie Lazera, où malheureusement on ne peut pas y aller, mais je vous ferai voir par le bouquin, il y avait quand même des choses assez intéressantes. Donc Dufour, qui a participé aussi au combat avec Szabo, et c'est Szabo en quelque sorte qui a, en se faisant capturer, si je puis dire, a sauvé la peau à Dufour. Okay. Je crois qu'il a été blessé sur l'ancien parachute. Thomas, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais Jacques Dufour, c'est un personnage qui est très très intéressant. Alors, on verra même sa maison, si vous très bien. Sa maison qui en vente d'ailleurs, ça intéresse quelqu'un. Alors c'est un personnage qui est aussi un peu, il a laissé pas mal de parts d'ombre, parce qu'on ne connaît pas grand chose finalement de sa vie, puisqu'il est mort assez jeune, ouais. Je vous dirai après. Et du coup, il est natif d'ici, et en fait même ce qu'il a, c'est que lui, il a une soeur qui part en Angleterre dans les années 30, donc du coup le lien avec le SOE et lui s'établit probablement à ce moment-là, parce que lui il est agent P1 du SOE, donc il est agent actif sur le terrain. Mmh. Et donc avec tout un tas de gars du coin, notamment un jeune qui natif de pas très loin d'ici, mais qui va venir ici, qui s'appelle Baptiste Jeunesse, qui va se faire capturer à Sussac là-haut, et qui va se faire torturer et tuer en juillet 44 pendant la bataille de Montgargan, alors qu'il est en liaison avec différents maquis. Et Jacques Dufour, il va même faire plus qu'armer les maquis de Guingois, il va rayonner un peu sur toute la région même carrément, parce que c'est lui qui va armer notamment même le maquis de Terrasson. Il y a un lien, parce que Terrasson, c'est pas la porte à côté ici, c'est 60 bornes, même un peu plus d'ici, 70, facile. Et du coup, c'est lui qui va être en liaison, il va faire des liaisons un peu partout, par des histoires de cousinage avec certaines personnes. Et en fait, on verra, il y a un gars de Terrasson qui a été fusillé dans le bourg de Salon. On s'y arrêtera sur la stèle. Et je vous ai raconté pourquoi. Très bien. Et Dufour, alors sa vie, elle s'arrête pas là. Quand Violette Szabo va être capturée, donc il va faire tout un tas d'opérations, notamment avec Maloubier. Il va participer à la libération d'Angoulême, je crois, avec la brigade de Rac. Oui. Il va faire un truc comme ça. Et ensuite, arrivé à la libération, enfin la France est libérée, il va s'engager dans l'armée, dans les troupes parachutistes. Il va être parachuté en mars 45 en Indochine, où là, il va se faire tuer. Il va se faire tuer par les Japonais, vraiment là, sur la fin de la guerre, sans avoir laissé de beaucoup d'indices sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait. Il a fait énormément d'opérations dans le secteur. C'était un peu le responsable SOE local, quoi. Sous la direction du major Southgate, qui était souvent un maniaque là-haut.
Pour information, on s'arrêtera devant le fameux hôtel Renaudy. Ouais, super. Ouais, ouais. C'est lui donc, qui avait donc Madame Renaudy, pour information, avait donc deux filles qui étaient mariées l'une et l'autre à deux résistants notables. Et donc elle faisait la popote, donc effectivement il lui arrivait de faire à manger aux Allemands. Et à l'étage, tu avais Sauton avec sa chambre, avec la fenêtre constamment ouverte. Il passait par la fenêtre, il prenait la petite rue qui s'appelle maintenant au nom du commandant Paul Renaudy, qui est un de ses fils. Voilà. Donc on a eu de grandes figures. Un des Renaudy est décédé dernièrement à l'âge de 100 ans. Il était obstétricien dans le sud de la France. Et donc pendant la période de résistance 43-44, il était donc l'un et l'autre. Un était commandant et l'autre était capitaine des deux frangins. Et donc un qui est le second, il était mécano. Il est mort en 63. Et il avait le garage qui était dans la rue dans laquelle porte son nom actuellement. Il y a eu des escarmouches dans Magnetbourg, quelques GMR qui sont descendus, il y a eu des échanges de coups de feu. Il y a le sabotier de Magnetbourg qui se situe chez Sarre, là-bas, tu sais, on va à l'ancien cordonnier. Oui, le sabotier. Son grand-père ou ancêtre a reçu un éclat de mitraille. Voilà, on est passé sûrement les 120 gendarmes qui ont rejoint le maquis le 6 juin. Absolument, et le 6 juin, donc deux pelotons de gendarmerie. Qui ont rejoint sur la 20, ils n'ont eu pas forcément le choix au départ. Non, et puis ça a bien aidé, ça a encadré. Absolument, tout à fait. On avait quand même des... Donc, voilà. Et donc tout le long de la Nationale 20, des arbres, elle était plus boisée qu'aujourd'hui, des arbres ont été coupés de façon à ralentir l'avancée des Allemands. Puisque de très nombreuses reprises, en fait, ils jouent au chat à la souris sur cette Nationale 20, sur cet axe-là. Un coup, les GMR passaient, un coup, c'était les maquisards. Apparemment, c'était à chaque fois. Et donc, le but était aussi, comme c'était un axe qui était privilégié, ravitaillement, essence et tout le bordel. Donc, ils essayaient à chaque fois de piquer un peu d'essence et tout le bordel. Il y a une maison juste. À demain matin alors.